Ce centre commercial qui vient d'être inauguré en Béni, chef-lieu de la région de Yamahamé, répond à un besoin vital au sein de cette partie de l'île de Ngazija qui souffrait des manques criants d'une structure commerciale. Cet édifice est financé par la ville de Béni avec l'appui du Fonds de la solidarité islamique, la Fondation Al-Wafa et le don du Japon. Ce centre commercial a été construit avec l'aide de plusieurs bailleurs, dont le Fonds japonais, un organisme saoudien aussi, et d'autres investisseurs et d'autres bailleurs qui ont investi dans la construction de ce centre. Pour le moment, nous n'avons pas encore les moyens et l'organisation qu'il faut pour organiser la cérémonie de l'inauguration officielle. Toutefois, la nécessité d'utiliser et d'exploiter le centre commercial s'est présentée. C'est pour cela que nous avons organisé la cérémonie religieuse au lieu d'organiser la cérémonie officielle. Ce marché va développer les activités économiques de plusieurs régions de l'île, à savoir Bimani, Ouachibi, Hamahamé et Mbankou. Toute la région qui a été invitée aujourd'hui pour voir que la structure est finie et qu'à partir de demain, c'est ouvert. C'est potentiellement, ce sont les producteurs et les vendeurs de Mbankou, Hamahamé, Ouachibi et Bimani. Qu'on ne veuille pas, on se retrouvera ici. Il pourrait aller ailleurs. Mais ici, la structure répond très bien à tous ceux qui veulent vendre les produits vivrières, comme les produits importés, comme les produits industriels. Il s'agit là d'un marché adapté à une clientèle en nette croissance.